C'est parti pour le ponçage du plafond. Pour ça, un masque respiratoire de type FFP1, ça ira très bien. Deux cales à poncer. Pour l'instant, je ne mets pas le masque, hein, pour vous montrer. Je fais d'abord mes côtés et comme vous pouvez le voir, le ponçage, voilà, c'est vraiment léger. Si notre lissage a été parfait, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un ponçage léger. Donc là, on va mettre le masque. Voilà. Là, j'ai dégrossi. Maintenant, ni plus ni moins. Le ponçage a été réalisé. Maintenant, avec un balai plat, je vais venir tout d'abord récupérer le maximum de poussière. Ici, je suis venu préparer mon impression. Donc, pour rappel, on vient bien mélanger l'impression. Ensuite, sur un carton, je suis venu imprégner mon rouleau. Ici, c'est un 12 mm. Et ma brosse à rechampir. Et maintenant, on va aller passer l'impression sur le plafond de la salle de bain. Donc comme vous pouvez le voir, vous voyez maintenant, les peintures ne se travaillent plus, elles se posent. Comme vous pouvez le voir aussi, un rouleau, on le laisse rouler. Il ne faut pas venir forcer comme un dingue, ok? Et voilà pour notre impression. Donc ici, il faut laisser reposer 4 heures. Et ensuite, on va venir mettre une première couche de finition et la seconde.
Et voilà pour notre plafond. Donc ça, c'est la première couche de finition. Et on va venir en mettre une seconde. Alors là, en attendant, comme j'ai 4 heures à attendre, ça, petite astuce, au lieu de nettoyer, de remettre dans le pot, je vais tout simplement l'emballer dans un sac plastique. Comme ça, dans 4 heures, il sera encore frais et je pourrai mettre la deuxième passe. Notre faïence est posée, c'est jointé. Donc tout le carrelage du sol et du mur est posé. Maintenant, il va nous manquer à faire les joints silicone. Donc les joints silicone, c'est tout simple. Dans chaque angle, au niveau des fenêtres, donc là, ça a été fait. Au plafond, parce que souvenez-vous, j'ai laissé un jeu. Et au sol. Notre salle de bain, du moins carrelage étanchéité, est fini. Donc on a fait les joints silicone. Croquer. Là aussi. Pour repartir là-bas. Au niveau du plafond, c'est fait. Ensuite, on est redescendu ici pour faire le sol. Donc là, on est remonté, pareil dans cet angle, au niveau des menuiseries.